Depuis des milliers d'années, les rois et les empereurs emploient des magiciens et des sorciers à leur cour. D'éminents scientifiques, tels qu'Isaac Newton et Nikola Tesla, étaient connus pour s'adonner à l'étude de l'occultisme. Il peut y avoir une raison sous-jacente à l'efficacité d'un culte ou de techniques magiques. Si la théorie de la simulation est valable et que nous vivons réellement dans un environnement semblable à un ordinateur, il existe bien sûr des méthodes pour injecter ou pirater ce code. Pensez aux couleurs, aux sons, aux odeurs, aux chiffres et aux symboles utilisés dans les traditions spirituelles et occultes. Et si ces éléments étaient plus que de simples expériences sensorielles ou des concepts abstraits? Et s'ils affectaient subtilement le code de la réalité elle-même? Bien que toute métaphore ou analogie soit inévitablement vouée à l'échec, le modèle informatique semble être l'explication la plus probable du fonctionnement de la magie. Quels que soient les mécanismes en jeu, ceux qui pratiquent ces arts ont indéniablement un effet puissant sur la réalité. Si ces premières secondes vous parlent, nous vous invitons à regarder cette vidéo dans son intégralité. Vous pouvez également vous abonner et laisser un j'aime sous cette vidéo pour soutenir notre travail. Le monde a été une scène sur laquelle la science et le mysticisme ont dansé un ballet complexe. Des salles creusées des pharaons au palais des rois et empereurs médiévaux, des savants connus sous le nom de magiciens, d'alchimistes et de sorciers ont trouvé un siège privilégié aux tables du pouvoir. Ces individus n'étaient pas de simples bouffons ou illusionnistes. Ils étaient des conseillers respectés des dirigeants, appréciés pour leur savoir et leur perspicacité unique. Par conséquent, de nombreux scientifiques éminents des époques passées, tels que Sir Isaac Newton et Nikola Tesla, n'ont pas hésité à explorer le domaine insaisissable de l'occultisme. Leur curiosité était attisée par la promesse alléchante de vérité cachée au cœur des arcanes. Des études de Newton sur l'alchimie et la chronologie biblique aux affirmations de Tesla sur la réception de transmissions extraterrestres, leurs travaux ont représenté une convergence unique entre la science et l'occulte, témoignant de leur quête commune pour comprendre les mystères de l'univers. À l'ère actuelle de l'informatique quantique et de l'intelligence artificielle, une idée émergente, la théorie de la simulation, suggère que notre réalité n'est pas aussi organique que nous la percevons. Elle postule que nous sommes peut-être les habitants d'un univers programmé de manière complexe, semblable à une simulation informatique cosmique. Cette théorie a de profondes implications pour notre compréhension de la nature de la réalité et, de manière plus séduisante, pour le fonctionnement de la magie et de l'occultisme. Si nous considérons la réalité comme une simulation informatique, la question qui se pose est la suivante. Existe-t-il des moyens de pirater ou de reprogrammer ce code cosmique? Et si une telle manipulation n'est pas possible, les rituels, symboles et formules utilisés dans les traditions occultes pourraient-ils être ces mêmes outils? Imaginez un monde où les couleurs, les sons, les odeurs, les nombres et les symboles ne sont pas simplement des expériences sensuelles ou des concepts abstraits, mais des commandes complexes dans le langage de programmation universelle. Chaque incantation pourrait être considérée comme un script et chaque rituel comme une série d'entrées soigneusement orchestrées qui déclenchent des changements dans le code cosmique. Cette perspective ajoute une nouvelle dimension fascinante à la compréhension des pratiques mystiques et occultes. Les couleurs sont depuis longtemps utilisées dans les rituels ésotériques pour les significations symboliques qui leur sont attribuées, le rouge pour la passion, le bleu pour le calme, etc. Et si ces couleurs étaient plus que de simples représentations symboliques? Dans une réalité modélisée comme une simulation, chaque couleur pourrait correspondre à une fréquence ou à une longueur d'onde unique, un morceau de code unique qui, utilisé de manière appropriée, pourrait déclencher un changement spécifique dans le tissu de la réalité. De même, les sons font partie intégrante des traditions spirituelles et magiques. Les chants de transe et les mantras sont connus pour induire divers états mentaux et émotionnels. Vus à travers le prisme de la théorie de la simulation, ces sons, avec leur modèle de fréquence unique, pourraient agir comme des codes sonores, provoquant des ondulations dans le programme cosmique et apportant des changements voulus dans la matrice de la réalité. Les odeurs ont également leur place dans ce grand dessin. La combustion d'encens pendant les rituels, les parfums spécifiques utilisés dans les pratiques spirituelles, pourraient introduire un code chimique distinct dans l'équation de la réalité. Ces apports aromatiques pourraient activer des réponses prédéterminées dans la simulation cosmique, contribuant ainsi à la manifestation des résultats souhaités. Les nombres et les symboles, piliers des pratiques occultes, s'intègrent parfaitement dans ce cadre de simulation. En informatique, le code binaire, des séquences de unes et de zéros, est utilisé pour coder toutes sortes d'informations.
Les nombres constituent un code numérologique unique, élément fondamental de l'interface avec le programme cosmique et de sa manipulation. La géométrie sacrée, la numérologie et les sigils symboliques peuvent être les clés du grand langage de programmation de l'univers. De nombreux personnages importants, non seulement de l'histoire mais aussi de notre monde contemporain, ont étudié la numérologie. La fascination qu'elle exerce n'est pas sans fondement. Si notre réalité est une grande simulation, la numérologie pourrait être le décodeur permettant de comprendre ses principes sous-jacents. L'idée est séduisante. Comprendre le langage de l'univers et peut-être influencer notre réalité par le biais du code numérologique. En vous plongeant dans cette convergence de la magie et de la théorie de la simulation, vous découvrirez de nombreux exemples, tous plus fascinants les uns que les autres. Qu'il s'agisse de la géométrie sacrée d'un mandala, de la commande cinétique d'une danse rituelle ou du code minéral des pierres précieuses, chaque élément peut interagir avec le code cosmique pour influencer la réalité que nous percevons. Où que votre voyage vous mène, rappelez-vous que la numérologie peut être un point de départ éclairant. Cependant, comme toutes les théories, cette perspective n'est pas exempte de limites et de défis. L'analogie d'une simulation informatique, bien qu'il s'agisse d'un modèle convaincant, ne peut pas saisir pleinement les innombrables nuances et complexités de la réalité et de l'expérience. Elle fournit un cadre métaphorique qui nous aide à comprendre l'incompréhensible, mais ne constitue pas une preuve définitive ou une prédiction vérifiable. Cependant, on ne peut nier l'efficacité particulière des personnes qui maîtrisent ces arts ésotériques. Ils semblent avoir une influence profonde sur la réalité qui les entoure, une influence qui ne peut pas être facilement rejetée comme une simple coïncidence ou un placebo. Peut-être ces praticiens ont-ils inconsciemment affiné leur capacité à s'interfacer avec le code de l'univers grâce à leur intuition, à leur formation ou à leur simple talent. Ils ont réussi à pirater la matrice de la réalité. Si les arcanes de la magie restent entourés de mystères, la perspective que notre réalité soit une grande simulation jette un pont entre le mystique et le scientifique, le visible et l'invisible, l'humain et le divin. Il semble que nous fassions tous partie d'un code cosmique, d'un grand dessein. Et peut-être, dans l'écho d'une incantation ou le trait d'un symbole, avons-nous le pouvoir de façonner notre réalité. Prenons par exemple le dessin complexe d'un mandala, une forme d'art populaire dans diverses traditions spirituelles, en particulier le bouddhisme et l'hindouisme. Chaque courbe, chaque forme, chaque emplacement de couleur dans un mandala est intentionnel et contribue à sa signification spirituelle globale. Dans le cadre de la théorie de la simulation, la conception complexe d'un mandala pourrait être considérée comme un code visuel élaboré, chaque aspect correspondant à une commande spécifique du programme universel. L'acte de créer ou de méditer sur un mandala pourrait servir de méthode d'entrée pour interagir avec le code cosmique, influençant ainsi la simulation de manière subtile mais profonde. De même, la tradition spirituelle de la danse sacrée pourrait être interprétée dans cette nouvelle perspective. Dans de nombreuses cultures, la danse est considérée comme une forme de culte ou de communion spirituelle. Chaque mouvement, rythme et geste de ces danses peut être considéré comme une commande cinétique, une manière d'interagir physiquement avec le code de la réalité. De la pratique soufie des derviches tourneurs aux danses sacrées des tribus amérindiennes, ces danses rituelles pourraient envoyer une cascade d'instructions au programme cosmique, modulant la nature de notre réalité perçue. Pour revenir au domaine du son, nous pouvons examiner l'utilisation des cloches dans diverses traditions spirituelles. Dans les temples bouddhistes et les églises chrétiennes, le son des cloches marque des moments spirituels importants. Les fréquences sonores uniques produites par ces cloches peuvent être considérées comme des commandes auditives qui interagissent avec le code cosmique. Chaque coup de cloche peut provoquer une ondulation dans la simulation de la réalité qui se répercute dans toute la matrice de l'existence. La signification des pierres précieuses et des pratiques ésotériques pourrait être réinterprétée à la lumière de la théorie de la simulation. Les pierres précieuses, prisées pour leurs propriétés métaphysiques, pourraient être considérées comme des codes minéraux, chacun ayant une composition structurelle unique qui correspond à une commande spécifique dans le langage de programmation universelle. L'utilisation d'une pierre précieuse particulière dans un rituel ou comme talisman pourrait activer certains aspects du code cosmique et influencer la réalité en conséquence. La numérologie inhérente à divers systèmes ésotériques pourrait également être vue sous un nouvel angle. La signification mystique attribuée aux nombres dans la Kabbale, le pythagorisme et d'autres traditions pourraient être interprétées comme des codes numériques permettant d'interagir avec le programme cosmique.
la récurrence de certains nombres, comme le 7 dans la mystique chrétienne ou le 108 dans l'hindouisme et le bouddhisme, pourrait représenter des constantes ou des variables fondamentales du code cosmique. Dans tous ces exemples, nous voyons à quel point ces pratiques sont profondément ancrées dans les différentes cultures et traditions spirituelles à travers le monde. Chaque pratique pourrait contribuer au piratage collectif de la simulation cosmique, modifiant et façonnant subtilement la réalité que nous percevons. Cette interprétation ne diminue pas l'importance culturelle et spirituelle de ces pratiques. Elle ne vise pas à réduire la riche tapisserie de la tradition humaine à de simples séquences de codes cosmiques. Au contraire, elle offre une nouvelle perspective, une nouvelle lentille à travers laquelle on peut voir et apprécier ces pratiques. L'émerveillement et la crainte inspirées par ces traditions demeurent, mais ils sont désormais complétés par l'intrigue et les possibilités offertes par la théorie de la simulation. Bien que cette perspective offre un modèle innovant pour comprendre le fonctionnement de l'occultisme, il est important de noter qu'elle reste une théorie spéculative. Comme toutes les théories, elle doit être examinée de manière critique, continuellement remise en question et constamment affinée. Néanmoins, elle nous invite à reconsidérer la frontière entre science et spiritualité, à imaginer une réalité plus souple et malléable qu'auparavant, et à nous interroger sur la nature même de notre existence. C'est la fin de ce dossier. Les travaux de l'Institut Planck sont mis gratuitement à votre disposition, mais ils nous demandent beaucoup de travail. C'est pourquoi, si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube et laisser un like sous cette vidéo. Nous reviendrons bientôt avec un autre dossier. Cordialement, l'équipe de l'Institut Planck.